C'est d'abord un sentiment de satisfaction parce que nous avons réussi à mobiliser les groupes issus des sept préfectures de la région, ce qui devient un point positif. Et nous avons aussi été très satisfaits par rapport aux prestations. Et j'avoue que les membres du jury auront de la peine à départager les sept troupes, puisqu'il faut dégager deux qui ont représenté la région de Savannah à Lomé pour le compte du 27 avril. Nous sommes partis donc de 16 communes, c'est-à-dire que chaque commune a envoyé un groupe, et sur la base des 16, 7 ont été retenus pour représenter chaque préfecture. Donc aujourd'hui, parmi les 7 maintenant, on va trier deux qui iront représenter la région de Savannah à Lomé. Le conseil, il est là. Mais nous sommes tous aussi conscients que l'État a les secteurs prioritaires, ce qu'on appelle les secteurs sociaux. On est conscients. Et le plaidoyer, c'est que malgré les priorités, que l'État aussi essaye de dégager quand même une marge pour que la revalorisation de notre patrimoine puisse être une réalité. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, nous sommes en train de. Le patrimoine est en perte de vitesse. Et il faudrait que l'État mette les moyens. Et donc, quand on parle de moyens, c'est aussi les moyens, aussi bien humains, matériels que financiers. Donc, pour que tous les services techniques qui se chargent de ce secteur-là puissent disposer de quoi mener le combat, pour que la promotion et la sauvegarde de notre patrimoine puissent être assurées.